n'y a pas de honte à être le mendiant de l'amour. Moi je chante sous vos fenêtres chaque jour. Et donnez-moi, Dieu vous le rendra. Ah, bon les gars, j'en ai marre. Si on parlait un peu de vous maintenant. Ouais. Si tu veux, pourquoi pas. Je sais pas s'il y a grand chose à dire, mais bon. Ouais, c'est clair. On va bien voir ça. Les dinosaures de la scène punk synthèse viennent de souffler leurs 10 ans à travers une série de concerts pour l'événement. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter personnellement et musicalement pour les espèces jurassiques et paléontogènes qui ne vous connaîtraient pas encore? Ouais, non, la question est ardue. Hein. Eh vas-y, lance-toi. Oh putain, les lieux culturels, non, ça me fait chier. Je dirais que moi, c'est Mo. Ouais. Salouette, c'est mon nom. Et je joue de la basse, musicalement parlant. Très bien, je pense qu'il n'en faut pas plus. Et c'était le seul qui pouvait répondre à ta question parce que nous on l'a même pas compris. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Et je crois que j'étais pas hors sujet. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. En fait c'est juste se présenter quoi. Ouais. Sinon, est-ce que les créations ont des influences particulières? Nous on n'a pas le droit de se présenter. Tu veux pas te présenter, donc on enchaîne mon gars. Sur quelle plateforme est-ce qu'on peut écouter vos CD ou vos chansons? Aucune. C'est clair. Donc du coup... Il faut venir à nos concerts. En tant que webmaster du groupe, je dirais qu'il faut venir à nos concerts. C'est là, vachement constructif. Qu'il y a du gros webmaster. Non, bah, on n'a pas de... Si, en fait, on peut nous écouter sur le site des Saltimbanques. Ouais. Ouais. Le site LSTB. Alors d'ailleurs, qu'il faut qu'on améliore, parce qu'on j'ai eu des critiques. Il paraît qu'on peut pas tout bien entendre. Genre, la première chanson, il n'y a que 10 secondes ou un truc comme ça. Ah bon? Ouais, ouais. Il y a un bug, un petit l'autre bug. L'autre fois, quand j'y suis allé, j'ai lancé la première chanson, ça m'a lancé le diaporama, mais pas la chanson. Ouais, bon voilà, c'est un peu aléatoire, mais il y a quand même un effort, tu vois. Voilà, donc, les concerts avant tout. Mais les concerts avant tout. Voilà, on a trois titres sur du coup. Voilà, c'est ça. Il y a trois titres sur le site des Saltimbanques. Et puis après, il faut venir à nos concerts parce que c'est on fait un trio punk qui joue en live et qui fait autre chose que ça, quoi. Très bien. Même les scuds, ça nous fait chier, c'est pour te dire. Vous êtes produit dans pas mal d'endroits et structures différentes au cours de cette décennie. Squat, café concert, festival de la région. Où est-ce que vous préférez jouer en général? Ouais, festival, petit concert. Dans notre salle de répète, je dirais. Ok. Ouais, ça donc, c'est pas public restreint avant tout. Par expérience, on s'est rendu compte que les grosses scènes, c'était pas fait pour nous. Ouais. Alors, il y a un truc quand même pratique dans les grosses scènes, c'est le ravitaillement quand même. C'est-à-dire que t'aurais tendance à dire dans les petites structures, t'es plus près du bar. Ouais, mais. Donc, a priori, ça marche mieux, quoi. Et ben non, en fait, dans les grandes structures, faut. Enfin, t'arrives, il y a déjà les packs. Durant la dernière décennie, vous n'êtes pas beaucoup sorti de la région, a priori. Pas du tout. Pas c'est du vrai. Tout sorti de la région. Et est-ce que c'était une volonté de votre part ou... Pas du tout. C'est juste que vous n'avez pas eu de case. Franchement, on est des grosses baltringues. On est ce qu'est le mouvement punk. On n'est rien du tout. On n'existe pas. Quoi. On est un produit de la société comme n'importe quoi. Enfin, voilà, nous, on fait ça. Et on est un produit que les gens ne consomment pas beaucoup, en fait. Aussi. C'est vrai. Il y en a qui essayent de le faire très bien, donc il y a plus de gens qui le consomment. Mm. Nous, on s'en fout. Donc, du coup, en même temps, forcément, loi de l'offre et de la demande, on va peut-être plus donner de nous. Quoi. Pour que les gens veuillent. C'est ça. C'est que, voilà, après, on fait ça en mode touriste. On a essayé de se suicider plusieurs fois. Ok, super. Enfin, voilà, tu vois, notamment en 2007. On aura les recettes. On l'a fait en 2007 pour les 30 ans du punk. On a décidé d'arrêter, voilà, tout simplement. Et un an plus tard, on a rejoué tous les trois. On s'est fendu la gueule pour Méli Mélo, la Saute Sainte. Ouais. Et puis voilà, on a remis le pied à l'étrier, mais c'est avant tout pour se faire plaisir. On se fait plaisir. On joue pas, bah, tant pis, quoi. Du coup, autre chose, quoi. Pas vraiment de perspective. Ah non. Pas de plan prévu, rien. Non, rien. Quand on essaye d'en faire, ça marche pas. Par contre, quand on en fait pas, du
est-ce que vous voulez nous parler par exemple d'un concert un peu improbable que vous avez eu pendant ces 10 ans, un souvenir particulier, quelque chose qui vous a marqué? Mais on vient de recevoir une carte. Ouais, mais je propose que vous la montrez à la caméra tout de suite. Ça, c'est un super souvenir. À quelle caméra? Parce que. Ça, c'est un super souvenir, ça. Ça, c'est vraiment. Voilà. Le c'est Décibel qui nous. Qui nous a fait une dédicace, en fait, une stripteaseuse. Non, dis rien. Si vous voulez savoir ce que c'est, vous allez sur son site. www.decibel.fr. Vous verrez bien, voilà. Bon, là, par contre, c'est interdit au moins de 18 ans. Hein. On tient à l'annoncer. Et voilà. Et du coup, donc, on a fait sa première partie. Voilà. Dans sa première partie. Ouais, un contest de biker à Cognac. D'accord. Et donc, on a pris. Non, on le savait déjà qu'on allait faire la première partie d'une stripteaseuse. C'était super sympa, grosse ambiance sous la tente avec tous les. J'imagine, ouais. Et la barbe, ça a pas mal marché pour faire monter un peu la température, je suppose. Bah écoute. Elle même avait la barbe, non? En tout cas, pas au même endroit. Et donc, elle a. Enfin. Les gens sont venus nous voir un peu, puis ils ont trouvé ça un peu long. Voilà. En fait, il y avait 4 personnes devant nous. Quand elle est arrivée, il y avait 100 personnes devant elle. Ok. Voilà. Mais c'était bien parce qu'on s'est vraiment fendu la gueule. C'est-à-dire qu'à chaque morceau, les mecs nous disaient « Décibel, décibel !» Et nous disaient « Vous en voulez une autre ?» Et go. Et en fait, on a un set qui dure 45 minutes. Ouais. Ah oui, et là, on a joué une heure et demie. Donc on les a vraiment pourris et ils ont dû vraiment attendre Décibel. Voilà, donc ça a été un peu long pour les bikers, mais nous ça nous a fait plaisir. Très bien. Donc et avez... donc on a un super souvenir parce que voilà. C'était rigolo, dédicace là, les crétacés. C'est la stripteaseuse après. C'est con que j'ai perdu son string, sinon j'aurais des souvenirs. Il est parti avec son string. Ouais, j'ai souri son string aussi. Enfin, bref. Et du coup, donc vous avez joué en première partie d'une stripteaseuse. Est-ce qu'il y a un autre endroit improbable où vous aimeriez jouer? C'est pas dans un squat, sur une plateforme pétrolière. On aimerait jouer du coup, genre un truc improbable un peu comme ça. Ouais, c'est ça, si vous aviez une idée. Ouais, l'occasion fait de la ronde quoi, enfin je veux dire. Ouais. Après, ouais, ou alors une soirée. Mais tu vois, il y a pas longtemps, on a fait un contest de motocross De FMX. De FMX. D'accord. Et du coup, c'était assez improbable aussi. Mmh. On peut voir la vidéo d'ailleurs sur le site aussi, la salle Tabranc. Très bien, tu mets le lien en bas là. Et du coup, c'était assez improbable aussi. Du coup, on est arrivé dans l'après, mais on a vu des frappes à dingue de la moto taper des jumps à 8 mètres de haut, faire des grosses figures de malade. C'est assez hallucinant, ouais. C'était assez hallucinant, et du coup, après, on a joué pour eux. Alors Steve, toi qui travailles dans le domaine de la culture et qui connais les rouages et les circuits de la scène locale, qu'est-ce que tu tires comme constat sur la scène punk rock actuellement dans la région Saint-Aise? Ah ouais, bah, Saint-Aise, il n'y a pas grand-chose. Hein. Bon, scène punk, non. Il y a quelques petits groupes là, qui sont en train d'émerger, là, mais après, enfin, même ailleurs, on est sur des... on a les punks à roulettes, enfin moi ce que j'appelle les punks à roulettes, tout ce qui est la vague guérilla assaut, tu vois, et tout ce qui s'en découle, et puis après on a la vague bretonne à la Mass Prod, du côté des Charges 69, du côté de Bordeaux avec les anciens Apaches et tout ça, mais il n'y a pas de... il y a tout pour tout le monde, quoi. D'accord, et si par exemple. Il y a plus une scène rock en fait, quoi. Parce que plus que punk rock. Le rock c'est une grande famille, tu vois, c'est comme si on parlait de jazz, quoi. Il y a acid jazz, jazz, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, il y a plein de mouvements à l'intérieur et c'est des publics qui sont peut-être un peu différents des fois selon les sous-catégories, quoi. Mais tout ça fait partie de la grande famille du jazz, mais c'est pareil, la grande famille du rock et on est très copains avec tout un tas de métalleux qui sont sur Sainte. Il y a encore une scène métal sur Sainte. Il y a de la pop, tout ça forme sur les mêmes familles rock quand même, et on peut dire qu'il y a une scène rock sur Sainte. Ouais, on a plein de, enfin en même temps c'est aujourd'hui tout le monde est dans son univers musical, quoi. Il y a tellement de mélange de zik, moi je kiffe Freedom for King Kong ou des groupes comme ça qui ont créé des vraies fusions en France qui ont donné des énergies hyper variées, avec des mélanges de cuivre à la Kemsa, des gros rock bien lourds, mais comme tu peux avoir des tripes du monde entier avec des lojo et des trucs comme ça qui sont hyper ouverts sur la culture du monde et tout,
tous ces mélanges-là. C'est super, il y a des super richesses en France, quoi. Si par exemple vous lui conseillez un mec qui commence, qui veut lancer son groupe, est-ce qu'il y a des structures dans le coin qui peuvent favoriser financièrement ou est-ce que c'est mais non mais le délire c'est que quand tu as envie de commencer, tu tout simplement et tu commences avec tes potes, même tout seul ou quoi. Et puis je pense que même si ça a bien changé, parce que maintenant on consomme différemment aussi, tu vois, avec Internet et tout. Mais je crois que pour faire de la musique, il n'y a rien de tel que commencer avec ses potes, commencer dans des squats, à se démerder, à choper la gratte d'un copain, et puis triper ensemble. Et puis voilà, c'est, en tout cas, c'est ce qui fera l'énergie d'une vraie musique, tu vois. Okay. Après, le reste, c'est un métier, quoi. Voilà. Les gens qui aujourd'hui bossent avec les SMAC, avec tous ces réseaux-là, c'est un métier. Tu vas à Bourges parce que tu as stéréotypé un projet pour le présenter à des prods et des machins et trucs. Ok, c'est de la zig, c'est très bien. Il y a des gens qui s'éclatent avec. Moi, il y a des groupes avec qui je m'éclate, mais où c'est pas forcément mon feeling. Et où tu sais que c'est complètement créé de toutes pièces, même si c'est des vrais univers défendus à la base, comme dit Mike. Ce qui est hyper important, c'est la base, le délire, et le vrai délire. L'aventure humaine, c'est le principal, c'est le premier délire d'un groupe de zig. Sinon, tu crées rien. Enfin, très bien. Voilà. C'est un métier après, sinon. Il y a des gens qui bossent pour des groupes tout formatés. Voilà. Nous, c'est un délire humain avant tout. Quoi. Comme tout le réseau punk que tu disais tout à l'heure, voilà, c'est avant tout un réseau humain qui s'éclate. Quoi. Le style de vos textes s'apparente souvent au syndrome de la Tourette en phase critique. Où est-ce que vient votre influence? Excellent. Trop bon, ça. De la Tourette. Alors, bon, ça, c'était au début. C'est bon, ça. C'est vrai que... Je commençais par dire reculer. C'est ça. Ta chatte. non, alors je sais pas, oui, possible. Mais je sais pas, ça c'est parce qu'on était, très cons, on l'est toujours à l'heure d'aujourd'hui, je crois. Ça fait partie du stéréotype du punk oui, aussi. Oui, c'est vrai. Voilà. On joue vachement avec ces stéréotypes-là. On joue là-dessus. Mais les gens leur demandent, c'est ça qui est naze, quoi. C'est que tu sais où tu vas, quoi. Tu sais que les gens, plus tu vas les insulter, leur dire que qu'ils sont cons, que ça sert à rien, que on est là et qu'on est tous des nazes. Ouais, c'est super, c'est trop bien. Dans un concert, c'est ça, je crois que tu peux dire n'importe quoi à partir du moment où les gens sont de toute façon viennent pour passer une soirée, que ça soit euphorique ou quoi que ce soit. Quand t'es sur scène, alors puis des fois ils comprennent la moitié des choses que tu dis en plus. Donc de toute façon, à partir du moment où tu fais blablabla, t'as 15 personnes qui font ouais, ils ont rien compris. Mais ils font ouais. Nous les premiers, quand on va à un concert, c'est clair. on a un mec qui gueule et tout, mais ouais. Juste parce qu'on est euphorique, parce que c'est la soirée, parce que c'est la teuf. Parce que c'est la zik qui te plaît, parce que voilà. Voilà, donc. Voilà, après. Nos textes. Comment t'as dit là? Redis-moi ta phrase. Ça parle de syndrome de la Tourette. Syndrome de la Tourette, un petit peu. Je sais pas. Je pense qu'on a écrit des textes qui nous correspondent quand même. On se fout de la gueule d'un peu tout le monde, mais en premier nous. On fait partie de ce système-là et du coup, on est les premiers à foutre le pied dedans. Donc on se fout de notre gueule en premier. Et puis à l'arrivée, on se fout de la gueule de tout le monde, quoi. Voilà. Et je crois que notre idéologie punk à nous, elle est là, c'est qu'on voilà, on va pas tout de suite rejeter un système à dire le Front National c'est des connards, enfin tu vois, tomber dans les stéréotypes des textes punk ou des stéréotypes des textes reggae par exemple qui vont te faire il faut sauver la face du monde. Ou quoi, tu vois, c'est d'un seul coup, c'est des discours très démagogiques. Alors, nous, on voulait pas tomber dans le démago, donc du coup, on essaye de se foutre de la gueule d'un peu tout le monde, comme punk à la con, par exemple. Voilà, on se fout de la gueule des punks maintenant qu'on ont une crête bien acidulée, qu'on a un uniforme. On avant tout ça, en fait, avant d'avoir le fond, quoi. Ah, d'accord. Voilà. Donc je crois que ça nous correspond et voilà. Donc après, on n'est plus obligé de nous caser dans du punk, quoi. Tu vois, enfin, on peut nous caser. Du coup, on parle de vous un peu comme les Pussy Riot Synthé. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh
Ah, c'est bon, ça, c'est moi qui s'est gagné. Qui a écrit ça? Ça y est, qui cette question? On veut des noms. On veut des noms. On sera à la fin. Ah, bah écoute, on est très fiers à l'heure d'être les Pussy Riot de Saint. Putain, les grosses classes, quoi. Je sais pas, c'est vrai qu'on commence à prendre de la bouteille, alors du coup, on a un peu les seins qui commencent à tomber, tout ça. Ouais, c'est pas faux, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que t'es sexy, quoi. De plus en plus. Ça, c'est vrai aussi. Pour ceux qui s'en souviennent, il y avait un projet de clip pendant un temps. Où est-ce que ça en est? Est-ce que ça va être remis à jour? On attend des nouvelles de Décibel. Pour tourner un clip avec elle, ok, je comprends. C'est ça, ça, tu vas demander à la région pourquoi on n'a pas le droit d'utiliser certains lieux. Ouais, ouais, voilà. Déjà, c'était con, c'est vrai, mais c'est comme ça. On voulait faire ça au Palais aussi, on n'a pas pu, parce qu'on s'appelle les Crétacés, qu'on vient de la vallée du Coran, on n'a pas le droit d'aller jouer chez nous, c'est génial. Ouais, j'imagine. Bon, après, on n'a pas cherché à porter plainte non plus, hein, mais ça nous a fait chier quand même qu'ils nous disent non. Enfin, c'est pas le Palais aussi qui nous a dit. C'est pas l'équipe qui gère le Palais aussi qui nous a dit non, mais c'est le CG, quoi, le Conseil Général, qui nous a répondu non. Parce qu'on allait utiliser des décors qui viennent d'un film, etc., etc. Donc ça, c'était un peu naze, mais ça, voilà, du coup, ça a permis qu'on file le plan aux Foucavé qui, du coup, se sont servis des pots de bête pour faire le délire. Donc ça, big up amnésique, pour avoir fait le trip. Mais c'est vrai que c'est con qu'on n'ait pas pu le faire et qu'on n'ait pas pu triper dans notre univers parce qu'on vient vraiment de ce coin-là, quoi. On vient vraiment de Saint-Césaire, fait nos premiers concerts. C'est un peu pour ça qu'on s'appelle les Crétacés aussi. C'est un peu pour ça qu'on s'appelle les Crétacés aussi, Donc la vallée du Coran, c'est important pour nous et ça nous aurait fait triper, on n'a pas pu, c'est comme ça. Vos projets actuellement, est-ce que vous avez des dates, quelque chose, une sortie prévue? Alors, no comment. On prépare une tournée en Chine. Très bien. Voilà. Tout à fait. C'est ça. Pour ceux qui veulent prendre leur billet, est-ce que vous avez déjà les dates? Que ça coûte un peu cher. Faudra attendre. Non. Pour 2016, il y a tant d'économies. Non, Crétacé, en fait, on a fêté nos 10 ans, c'est tout ce qu'on voulait faire. On n'a pas prévu de faire autre chose. En fait, demain, on verra ce qu'on fait. Pour l'instant, on a fêté nos 10 ans, ça nous a fait triper. On a des gens qu'on peut remercier grave parce qu'on a été voir. Là, je le conseille à tous les groupes où c'est grillé à la caméra. Je conseille à tous les groupes, franchement, de faire ce qu'on a fait. Bon, après, on avait nos 10 ans, donc on a eu l'argumentaire de dire... On vient voir des gens et on leur demande du pognon, gentiment mais sûrement, et en leur disant, en fait, nos 10 ans, est-ce que vous seriez prêts à nous donner du pognon? Et en fait, quand tu fais le tour de tous les grosses qui sont autour de toi, et les mecs qui ont des petites entreprises et tout, ils te lâchent 50 euros, 100 euros, et voire plus. Et on a une équipe de 10, sponsors qui, du coup, sont en bas de notre affiche... et qu'on remercie grandement, on va pas tous les citer, mais vous pourrez mettre les noms, tu pourras mettre les noms en bas. ça nous a permis de récolter du fric et de faire ce qu'il faut aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut de la promotion visuelle, mon cher monsieur, aujourd'hui, pour exister dans le monde de la musique. C'est naze, mais c'est vrai. Ça fait marrer les gens. Aujourd'hui, ils adorent qu'on leur file des sous-bocs, tu vois. C'est naze, mais c'est comme ça. En même temps, c'est un très bel objet. C'est génial, nous, ça nous fait marrer aussi, Du coup, c'est vous qui les faites main dans votre garage. C'est do it yourself, par contre, tu vois, on embauche des petits. Gardez les punk avant tout. Tout la tournée en Chine, c'est qu'on a quelques petits chinois qu'on ramène déjà depuis quelques temps, tu vois. Donc, bientôt les t-shirts. Ah, on les a déjà, regarde-moi ça. On les a déjà, c'est pour ça, ils ont bien travaillé d'ailleurs. Ouais, c'est cool. Sinon, j'ai une question de Marie-Colette qui nous a écrit sur le site internet. 73 ans, quel est votre type de femme et êtes-vous célibataire? Parce que ça intéresse a priori le public quand même. Merci, est-ce que t'as une photo de Marie-Colette? Écoute, j'ai des photos de Marie-Colette, mais je peux pas les diffuser actuellement. D'accord. Je vous passerai par la suite, mais sur le principe, oui, non, peut-être. Ça dépend de Marie-Colette. Ça va dépendre de Marie-Colette. Qu'elle nous tienne au courant sur le. C'est ça. Voilà. Fille-lui notre numéro en secret. Surtout sur les slides. Si on devait résumer, est-ce que vous avez un leitmotiv pour les Crétacés? À quoi?
Un leitmotiv. Est-ce qu'on a un leitmotiv? Oui. Une phrase à retenir, une phrase choc avant tout. Ah bah c'est enculé. Très bien. Big up à la MJC clandestine, mais oui, c'est, c'est enculé. Ouais, c'est assez c'est enculé. Voilà. Notre public est friand d'anecdotes. Est-ce que vous avez des souvenirs de concerts en particulier à nous raconter? On en a plein. Ah ouais, on en a plein. Allez. On les a listés. Cette interview n'est pas du tout préparée. La spontanéité. Comment on a des noms à de citer? Aussi, on en a plein. Tu imagines qu'en 10 ans d'existence, on en a rencontré. Qui plusieurs. Des stripteaseuses ou enfin, des stripteaseuses, ça aurait été sympa d'en avoir plus. Ouais, on aurait bien voulu en avoir plus. Mais après, enfin, y a des anecdotes et aussi des endroits qu'on a particulièrement appréciés. Tu vois, comme on peut remercier Dédé et Mimi du Top Club, voilà, qui nous ont accueillis plus d'une fois, qui nous ont permis de faire des belles premières parties comme Tagada Jones, Banane Metallic, Ramoneur de Menhir, les Dirty Fonzie, voilà. Donc du coup voilà, c'était un pur plaisir de jouer chez eux et enfin voilà. Après Pascal et Lydia du VH qui sont du Victor Hugo du coup à Saintes du coup qui sont plus là, donc c'est un endroit où on jouera plus, mais pareil qu'on remercie beaucoup, qui a été aussi c'est là où Steve a commencé à se prendre des bières sur la gueule. Premier concert où je me suis dit putain, en fait on m'a prêté un kawaii, tu sais, de marin, les trucs jaunes quoi. Carrément, j'étais en concert à un kawaii et tout. Ce qu'ils avaient promis en fait sur un concert qu'ils avaient organisé avant, j'avais mis les pieds au plafond. Voilà, donc j'avais laissé ma trace au plafond et du coup ils avaient dit quand tu joueras avec ton groupe, tu vas voir, on va te pourrir la gueule quoi. Et donc j'ai commencé à me préparer. Et sauf qu'après, je me suis pas préparé pour toutes celles qui sont arrivées derrière. Parce que du coup, c'est devenu un peu un rituel que Steve prenne des bières sur la gueule. Et le summum, c'était au Festival de la Mosse cette année où il a pris du gazpacho avec. Je prends de plus en plus de trucs sur la gueule. De la mousse au chocolat. Et tout, voilà, donc il finit dégueulasse. Vinaigre. Une autre anecdote peut-être, Je sais pas, on peut Au skatepark. Au skatepark. Oui, on a joué trois fois, deux fois. Je sais plus. Trois fois. La dernière c'était. Oh, putain, la dernière on s'est un peu rattrapé. Aucune. Trois fois. Non. On a joué. Bah après voilà, il y a des contests régulièrement sur le skatepark de Saintes, mais on aime aussi faire des petites interventions pirates. Donc c'est ce qu'on a fait sur l'inauguration du skatepark. La dernière fois qu'on a joué, on a fait une petite intervention un peu pirate le dimanche. On a joué sur le skatepark. On a joué vraiment sur le skatepark avec les quiches drink. Mmh. Et voilà, histoire de tripper. C'est une petite revanche parce que les deux autres concerts d'avant officiels, je pense qu'on était tellement bourrés que. Non, on était pas en forme. C'est parce que l'histoire retiendra. On ne boit jamais autre chose que de la limonade. Je crois que ces concerts étaient. C'était comique. Un peu comme à Bordeaux. Hein, mais on aime bien du coup, tout ce qui est. Ce qu'on a dit avec les mecs du FMX, c'est qu'on referait un trip. Parce qu'on. On aime bien tous ces sports de glisse où nous on fait du punk qui joue à tout va comme des cons. Ils font un sport où tu prends une énergie de dingue. C'est un peu le même délire quoi, quelque part. Donc on se croise dans le même trip. Mecs qui font du BMX aussi. Les synthétiseurs à Saintes. Donc c'est une super énergie, on partage ça avec les gens. Au VH, le dernier concert qu'on a fait pour nos 10 ans, c'était une tuerie. On a fait un super concert où on s'est vraiment éclaté, où les gens étaient hyper réceptifs. Je crois que c'était le dernier concert du VH, c'était vraiment une super souvenir. Puis, on en a fait d'autres, on a fait la première partie d'Elmer Footbeat au Festopino. Festopino. Ouais. Voilà. Ah, attendez. Et comme on disait tout à l'heure, c'était, tu vois, les grosses scènes ça nous réussit pas, mais celle-là nous a réussi par contre. Festopino, c'était un super concert. On était devant 1000 personnes, tu vois. 1000 personnes. Il y avait que ça soit de 7 à 77 ans, ils étaient là, ils étaient réceptifs et tout. C'était voilà. Je crois que c'est la seule grosse scène qui nous a réussi. Ouais, Foucaré aussi. Bon, on n'était pas sur la grosse scène, mais sur une petite scène, on a joué devant pas mal de monde. Oui. Ah oui, pareil. Et là, pareil, super concert aussi. Mais on en a loupé.
C'est pas mal aussi. Bah, les Toy Dolls. Le Hellfest, des choses comme ça. Ah, le loup, ouais, on a loupé d'y jouer. Ouais, ça, ça, on a pas mal ça, ouais. On a loupé d'y jouer aussi. Ouais. 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 Toutes les scènes punk internationales et tout, on a tout loupé. On est passé à côté. Non, mais on a eu plein de petits délires avec des assos comme les Foucaves ou la Motte. Ici, autour de chez nous, dans notre petite Saint-Onge, libre. Voilà, un des meilleurs souvenirs, quand même, c'est peut-être Palissy avec le proviseur. Putain, ouais. Un lycée. Ça date, hein. On a joué dans un bahut et le proviseur sur les balances est venu nous dire « Ah non, mais c'est trop fort. Ah ouais, mais là, c'est que les balances. » Donc là, on va pas pouvoir t'aider. Et puis il avait accepté, en fait, il s'était pas rendu compte qu'il avait signé le papier comme quoi il autorisait le concert. Donc c'était assez rigolo. Du coup, on a fait notre concert tranquille. Mais bon, je pense qu'il s'en est un peu mordu les doigts d'avoir signé un truc sans avoir vérifié ce que c'était. Et bon, c'est la vie, on a joué. Ça fait un bon souvenir quand même. Mais tu vois, donc on a joué dans un autre lycée, un lycée agricole perdu au fin fond de Jonzac. Et là, c'était excellent. Avec des petits jeunes qui commençaient la musique et que maintenant on retrouve sur scène le bassiste de Lysistrata qui commençait juste la musique. Max qui était dans ce lycée là, qui faisait friand de l'ogre, hein. Moi je faisais des ateliers musique dans ce lycée là et Max commençait juste la basse et maintenant quand je le vois jouer il me dégoûte. C'est des petits cons, c'est trois petits cons, très énervant. Du coup, entre avec lui au tout début et maintenant, bravo à toi, Max. Chemin parcouru. Continue comme ça. Et aux autres, ouais. Et aux autres aussi, ouais.